9h30, on va rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Il y a un magazine en Angleterre très influent qui s'appelle Time Out. Et Time Out, chaque année, dévoile la liste des rues les plus cool au monde. OK? Et il y a deux ans, en 2022, rappelle-toi, on était très surpris d'apprendre que la rue Wellington à Verdun était la rue la plus cool au monde. Oui. Au monde, selon Time Out. Verdun natal, moi, j'ai d'ailleurs. Ben oui, j'ai grandi là. La rue Wellington, on appelait ça la Toune. La Toune était la rue la plus importante au monde, la plus cool. La Toune, on appelait ça. Alors, là, on vient, Time Out, ils viennent de dévoiler leur nouvelle liste des rues les plus cool au monde. Et tiens-toi bien, la 27e rue la plus cool au monde, selon Time Out, c'est la Plaza Saint-Hubert. Ah oui! Écoute, je pense que le mot « cool » a changé de signification, là, je pense, avec le temps. Alors, « cool » aujourd'hui, ça veut dire « c'est génial si tu te cherches une robe de mariée ». C'est ça que ça veut dire « cool » maintenant. C'est alors. Vrai que c'est le « cool ». Alors, la Plaza Saint-Hubert, la 27e rue la plus cool au monde, avant la 5e avenue à New York, avant les Champs-Élysées en France. Bravo à la Plaza. Quand même, hein? Surprenant. Hey, tu te demandes, et comme bien des gens, Richard, où était la sécurité autour de la ministre Mélanie Joly ces derniers jours? Elle s'est fait haranguer sur le trottoir là, par un individu. Écoute, si tu me permets, je veux débuter ce segment avec quelque chose. On le voit, là, elle était sur la rue Laurier. Quelque chose qui m'est arrivé personnellement ce week-end. Il faisait beau, on est allé dans les cantons de l'Est, ma blonde et moi, puis on est allé manger dans un petit café qu'on connaît bien à Sutton. Et en sortant du café, il y a une dame qui se met devant moi, puis elle dit « Monsieur Martineau, je ne suis pas vacciné ». Fait que je dis, OK, grand bien vous fasse, c'est correct. Et là, elle dit, c'est épouvantable ce que vous avez dit pendant la pandémie. Là, vous avez dit aux gens de se vacciner. Vous êtes une ordure. Votre femme est une ordure. Wow. Votre place est en prison. Elle dit, d'ailleurs, je connais plusieurs personnes qui ont porté plainte. Oui. Elle dit, je connais plusieurs personnes qui ont porté plainte à la police et au cours des prochains jours, on va vous arrêter. Bah. Puis vous allez être en prison. Tu sais, bon, l'ascenseur se rendait pas jusqu'en haut. On comprend, là? OK, là, il n'y avait pas du Wi-Fi dans toutes les chambres, mettons. On comprend? Mais là... Et là, elle me suivait, là. Puis là, je rentrais dans un commerce, puis là, on sortait du commerce, puis elle était là devant moi, là. Puis là, okay. Elle m'a suivi pendant une couple de minutes, puis c'est vraiment fatigant. Mais c'est toi, à ce moment-là, qui aurais pu appeler la police avec raison. Bien, c'est ce que je lui disais. En tout cas, bref, écoute, ça n'a rien qu'à ajouter un peu de piquant dans ma journée, puis on a bien ri de ça. Mais imagine-toi, t'es la ministre des Affaires étrangères. Dans un contexte hyper volatile, hyper explosif. Ben oui. On le voit, là, tu sais, avec la guerre qui se passe en Israël contre le Hamas. Vraiment, les sentiments sont exacerbés d'un bord comme de l'autre. On voit que les manifestations pro-palestiniennes versent souvent là, dans l'antisémitisme, etc. Il y a des synagogues, il y a des bibliothèques juives qui ont été, bon, l'objet d'actes violents. Tu sais, je m'excuse, là, mais elle devrait avoir des gens autour pour sa sécurité. Ah oui. Là, c'est pas seulement un chroniqueur là, qui se fait aborder dans la rue puis qui se fait insulter. Ça peut être extrêmement dangereux. Ben, y a des gens qui disent qu'elle a perdu son flègue. Moi, je trouve pas. Là. Je trouve que quand même, elle a resté assez cool, Mme Joly. Mais là, on apprend qu'au fédéral, effectivement, ils n'ont pas, comme au provincial, ils n'ont pas de service de sécurité, sauf à certaines occasions. Je m'excuse, mais là, actuellement, avec les sentiments totalement exacerbés, les passions exacerbées, les violences et tout ça, elle aurait dû avoir... Ça n'a pas de sens que la ministre des Affaires étrangères se promène comme ça, sa rue Laurier toute seule. Voyons donc. Surtout dans le contexte actuel, effectivement, comme tu le disais. Ben, surtout dans le contexte actuel. Écoute, ça aurait pu virer très, très mal, cet incident-là. Là. Mais je pense qu'on devrait assurer ta sécurité aussi, Richard. En tout cas, la madame n'était pas contente. Non. En tout cas, si jamais je suis arrêté, je serais pas ici pendant quelques jours. Ben oui, on comprendra. Voilà. On t'avait averti. On t'avait averti, Richard. François Legault trouve que la troisième voie est la moins pire des solutions pour renforcer le Québec. Bien, écoute, c'est un texte de Pascal Mayotte. Pascal Mayotte, il a co-écrit là, avec un autre auteur un livre sur la troisième voie, parlant de la DQ, parlant de la CAQ, etc. Et il a écrit sur le site de l'actualité un texte en disant, écoutez, la troisième voie, c'est-à-dire défendre les intérêts du Québec, être nationaliste au sein du Canada, c'est quand même la moins pire des options parce que, bon, le PQ, avec son indépendance, ils s'en vont directement dans le mur, selon M. Mayotte.
patriote parce que c'est pas demain la veille que ça va se passer. Le fédéralisme à plat ventriste du PLQ, ça donne strictement rien. Donc, il dit, bon, ben c'est quand même la moins pire option. Et là, M. Legault était très content de ce texte-là et il a mis un extrait du texte sur son compte X en disant, ben regardez, c'est la moins pire option qu'on défend. Moi, j'aimerais ça qu'on défende la meilleure option. J'aimerais ça, pas la moins pire option. Mm-hmm. Et là, M. Legault semble tout content de défendre la moins pire option. Et je veux dire à M. Legault que j'ai un beau T-shirt pour lui. Tu le sais, ah, là, tu te souviens, oui. Là, ce T-shirt-là. Là. Alors, je sais pas si on voit, là. C'est ça, hein, ça aurait pu être voilà, pire. Voilà, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, donc... Écoute, c'est en plein sa taille aussi, la taille moyenne, là, à M. Legault, ça lui ferait bien. Ça aurait pu être pire. Ouais. On est rendu là, maintenant. Là. Non seulement quand on vote pour le moins pire parti, ouais. Mais là, notre premier ministre dit, « Hey, mon option, là, savez-vous quoi? C'est la moins pire. » T'es excitant, ça, hein? Effectivement. Alors, je trouve ça assez particulier que notre premier ministre soit très fier de défendre la moins pire option, quand même. Et ça nous ramène à ce que ton père disait, je pense. C'était pas mauvais, oui. Mais pas laid. Oui, c'est ça. La fille est belle, non? Elle est pas laide. Le spaghetti n'est pas mauvais. C'est exactement ça. Donc, c'est la moins pire option. Qu'est-ce que tu veux? Le petit Québec, hein? Hey, Richard, passe une très belle journée. On s'en parle demain. Merci. C'était pas arrêté. Journée.